Je shine, très bien. Putain, j'avoue, tu brilles. Je shine, je shine, je drip, tout ce qu'il faut. Tu drip. Je, oui, je drip. Drip harder. Je drip harder en 2019. Je drip harder. Harder than ever. Drip harder. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amir. Hugo. Et aujourd'hui, bon bah voilà, hein. J'ai envie de te dire, on le savait. 19h50. On le sentait arriver. Et puis, c'est arrivé. C'est arrivé. Du moins, ça arrive. Nouveau single de PNL clippé. Aïe, aïe, aïe. ODD. Aïe, 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 aïe. Porté par une promo qui n'avait pas encore été vue en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose cette nuit. Cette nuit, alors, la vidéo de Nino Destin a été drop à minuit. Déjà, premier événement. Je trouve que c'est pas mal d'en parler, pas mal d'aller regarder la vidéo. Et à minuit 30. Les gens, deux personnes sont arrivées et ont tout baisé. Bah c'est que voilà, ils arrivent, on s'y attendait pas, hein. Honnêtement, moi je m'y attendais pas du tout, tu m'envoies un message. Ouais, PNL en live sur YouTube, tu dis quoi? Mais moi au début, j'ai vu, je me suis dit attends, ils sont en train de se filmer, en train de parler. Non, mais exactement, ce que tu m'as dit, je me suis dit en fait là ils sont en facecam, ils parlent avec des abonnés. Ouais, genre... Je me suis dit ouais. Et je vois du coup la planète Terre. Et au fur et à mesure, qui est ronde, cette planète Terre, du coup sera... Non, parce que récemment j'ai appris que le mari d'une collègue pensait que la Terre était plate. Non, en 2019. Bah, Kyrie Irving l'a dit. Kyrie Irving l'a dit. Voilà, il y a eu une planète, et bon, il y a eu des animations autour, on a eu des astéroïdes, des météorites, on a eu des petites références avec Dragon Ball Z, les boules de cristal. Donc pour tous ceux qui ont suivi, parce que forcément on n'est pas resté tout le temps devant le live, et on a eu aussi des références avec les anciens albums de PNL. Ouais. On a cette espèce de plaque en or avec du coup le cœur de QLF et le logo du Monde Chico, donc les deux silhouettes coupées comme ceci. Et on a eu aussi le parasol qui fait penser du coup à 91. Oui. D'ailleurs, avec derrière le morceau. Oui. On entend le morceau à un moment dans le live. Et tu es prêt à donner 10 euros à toutes les personnes qui ont RT. Gros, je... Combien il y a de RT pour l'instant sur le tweet? Je crois qu'il y en a 1000, frère. Mais là, c'est bon, je distribue, il n'y a pas de souci. Hein, parce que d'ailleurs, BBP a liké, donc vous pouvez sucer, parce que c'est lui qui a prod, donc c'est sûr que c'est dedans. Ensuite, on a eu des références. Alors, des lunettes de soleil, tu vois, qui arrivent sur toi comme ça. C'est limite, dommage, ils n'ont pas fait ça en 3D. Tu sais, tu mets tes lunettes 3D et... Moi, vraiment, ça m'a fumé. Genre, sur Twitter, il y a eu un mode... En mode, il y a eu la silhouette de Nino qui faisait comme As. J'en étais dans l'espace. Ça m'a fumé, gros. Ah, le méga troll. Non, mais voilà, c'est un truc, comme t'as dit, inédit. On avait pu voir un live pour présenter un album. C'était, du coup, Frank Ocean avec l'album Endless. Alors lui, ça avait duré deux jours. Et en fait, il était dans une usine où on entendait des instrus derrière, et on entendait une scie en fait. Si, après il a débarqué, il a commencé à scier des bas, il a construit un truc en bois. Puis après, Endless a été drop sur... Endless a été drop, mais c'était pas le main album, parce qu'au final, il y a eu Blonde juste derrière. Fait, en gros, c'était l'album pour ne plus être... pour passer en indépendant. Donc en gros, c'était le dernier album qu'il avait dans son deal. Et en gros, il leur a donné quelque chose pour ensuite faire Blonde de la manière dont il voulait sans avoir de problème. Du coup, au fur et à mesure du live, parce que voilà, derrière on a regardé, 4h du matin, moi je me suis réveillé, il était 9h, et je vois que la planète en fait se rapproche de plus en plus. Et on peut voir des inscriptions sur la planète comme ODD, du coup qui serait le prochain single de PNL et le clip. On n'était pas sûr encore. On a aussi le monde ou rien, donc on a vraiment des indices par rapport à leur univers, en fait c'est ça qui est lourd, tu vois. Ça fait tellement... C'est des rappels. Mais ça fait tellement fin d'une trilogie. Ouais, c'est vrai, ça sonne fin un petit peu, et on a eu même un extrait d'un live à Bercy. Ouais. Alors ça, fallait le voir, c'était à 4h du mat, je me suis dit après ça c'est bon, je vais me coucher. Et en fait on a un cœur qui est arrivé, et ouais, il y a eu le morceau Abonné en live à Bercy. Ça a duré 30 secondes, tu vois, mais c'est vraiment... en fait, ils sont en train de capter toute l'attention et même des plus réticents de leur musique.
Et du coup, la caméra donc se rapproche de la planète Terre et se dirige du coup vers le pays de la France. Et après est annoncé du coup ODD, nouveau clip à 20h. Il est exactement 58, ça commence dans 2 minutes. Est-ce que on va commencer les choses? Ouais, vas-y, bah vas-y, le temps que t'ailles sur YouTube et tout. Moi je voulais rajouter des trucs, c'est qu'effectivement beaucoup de références à Dragon Ball. Moi j'ai, c'est un plan qui m'a fait énormément penser à ceux qui ont suivi Dragon Ball. Lorsque Freezer débarque avec son père, du coup le roi Cold, sur la Terre, et en gros à ce moment-là, parce que du coup j'ai réfléchi, bon après j'extrapole un peu, mais c'est parce que je trouve que leur live a quand même raconté quelque chose, il y a une histoire derrière tout ça. Et en gros, au moment où Freezer vient sur Terre, du coup Son Goku il est porté comme disparu, il y a entre guillemets c'est Vegeta qui est devenu le nouveau mec le plus fort sur Terre. Et moi, tu sais, ça me fait... Et du coup, il se passe combien de temps déjà entre la fin de la saga Namek et l'arrivée de Freezer? Il se passe du temps quand même, hein. Un mois, non? Que un mois? Il me semble. Ouais. Mais en gros, il y a une méga ellipse dans le manga et dans l'anime, tu vois. Non, mais genre, en gros, tu sens que... Attends, tu parles de quel moment? Quand il revient? Quand Son Goku revient. Je crois que c'est un mois, je crois. Ouais. Mais en gros, ça fait, tu sais, comme une méga ellipse, genre en gros, il y a eu le temps que, ouais, c'est, il y a eu le temps que Vegeta devienne gentil, il y a eu le temps qu'il se mette avec Bulma, il y a eu le temps que Sangohan, il commence sa vie, etc., tu vois, genre sans son père et tout. Et du coup, en fait, t'as Freezer qui débarque avec le roi Cold, et en fait, moi, ça me fait penser un peu au silence de PNL. Genre, en gros, ils sont partis pendant un certain temps. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui sont réclamés le trône du rap. Beaucoup de gens qui ont du coup commencé à dire ouais, vas-y PNL, tu sais, commencé à avoir de la hate depuis quelques temps sur PNL, tu vois, sur Twitter et tout, et ça y est, ils reviennent sur la planète, tu vois ce que je veux dire, et ils reviennent sur la planète, ça y est, pour tout baiser. Et attends, je vais actualiser peut-être sur YouTube là. Oh là là, oh, la photo incroyable, frère. Ah ça y est, il est là, wesh. Ok, alors là. attends. Qu'est-ce qu'il est parti fou? Eh gros, la batterie de la caméra, elle est... titre clippé de PNL ODD, let's fucking go. Tariq, balance nous ça. Pop. Bah les couilles, je vise plus au sommet. Mon cœur fait oulalala. Je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. Je me tire d'ici si je m'écoute, Pugnou. Je suis ni chez moi ni chez vous. Elle veut la bise, elle veut que je la baisse. Je connais la route, je connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Hadès. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique. Wallah baba m'a dit mon fils non non. Toi pas calculer ses pétales. Ouais. Moi j'ai donné pendant longtemps. ODD, je la passe la détaille, la paix coule, la vie sert tes regrets devant ton bébé. Les bacs que t'es parce que les Yankees ne tomberont jamais sur messagerie. Que la famille personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par Panama. ODD, DD, deuxième degré. Que la famille dans le bateau de la couche d'ail. C'est peut-être mon dernier enfant. Viens, se casse mon frère avant qu'on se perde.
détail, la pécou, la visère, tes regrets dans ton bébé. J'ai un bisou à mes cafards dans la cave, tu dis c'est pectoraux gainés. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seul qui fait peur aux riches. Deux frères, édition en deux versions titre. Physiques, inclut le titre Frontière. Wow, frère, là je suis chouk. En gros, je suis complètement chouk. Mec, gros, je pense que genre ils vont. Gros, je pense qu'ils vont faire avancer le rap français à genre. Je pense qu'ils vont faire avancer le rap français de ouf. En fait, je pense que là ils vont faire genre le rap en France, il y a moyen qu'ils prennent encore plus d'ampleur qu'ils ne l'ont en ce moment grâce à ce qu'ils vont entreprendre en fait. La prise de risque est... Non mais en fait vous vous rendez pas compte. En fait moi je pense que vous vous rendez pas compte des couilles qu'ils ont de sortir un son comme ça avec l'attente qu'il y a autour d'eux. Avec toutes les personnes qui réclament dans la légende de toutes les personnes qui veulent qu'ils repartent dans ce qu'ils faisaient dans le monde Chico. Ils s'en battent les couilles, ils écoutent que leur créativité et ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est un truc de ouf. C'est... Franchement, là, je... Mec, gros, j'ai... Genre, vas-y, c'est mon chouk. Ouais, mon ouais, chouk. Je viens de poster, bah, tu sais, le visu qu'ils mettent à la fin avec les covers. J'ai mis au-delà de la légende. C'est beau. Parce que je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est beau. Là, c'est... Donc, effectivement, on aura deux versions physiques. Une avec un fond noir, inclut le titre Frontière. Une avec un fond éclairé, inclut le titre Capuche. Donc un peu comme ce qu'il avait fait pour Dans la Légende. 5 avril 2019. Donc, dans deux semaines. Deux frères, deux légendes. Ça, c'est un peu de ouf. Alors du coup, le son, est-ce que... Le son est incroyable. T'as quelque chose à développer ? J'irai pas jusqu'à dire que ils innovent, etc. Parce qu'il y a déjà eu des crossovers de la sorte dans le rap. Tu vois, on va pas non plus forcer à abuser. Il y en a eu des crossovers. Ouais, mais tu vois, des crossovers avec des rythmiques. Tu sais, le rythme il est un peu club latin limite là-dessus. Hein. Mmh. C'est un truc d'ouf. Hein. Il y en a déjà eu. Maintenant, la différence avec ce qu'il y a pu avoir avant et ce que PNL propose quand ils font des crossovers. C'est la qualité des crossovers qu'ils font. On se souvient de Bene par exemple, toi qui détestes ce genre de vibe. Tu te les colles up, tu vois, tu te les pris. Et en fait, c'est grâce à leur. Quel bail. Non, mais en fait, c'est grâce à cette différence qu'il y a entre le moment où t'écoutes l'instru et. Leur flow en fait qui reste quand même ultra cadencé rap, ultra street. Là ça clique. Hein. Le refrain de Ademo, bah vas-y, c'est incroyable, c'est un monstre. L'utilisation de l'autotune, j'ai l'impression que l'autotune est dans leur gorge en fait, tellement ils l'utilisent bien. J'ai l'impression que l'autotune en fait ils se font corps avec maintenant. Et franchement, le drop sur le couplet de NOS c'est trop. En plus, il. Fait référence à Jusqu'au Dernier Gramme. Donc c'est ce moment où les gens commençaient à se dire ok, NOS ça devient quelqu'un de très sérieux, tu vois. Beaucoup considèrent le couplet de NOS Jusqu'au Dernier Gramme comme le meilleur couplet qui est jusqu'en dans la légende limite, tu vois. Il fait référence à ça. Le clip, on en parlera après. Le son, du coup, alors tout est sur YouTube. Bah, l'instru c'est NKF et Joa de Track Bastards. Ouais, Joa. Voilà. Joa de Track Bastards. On donnera le reste des crédits vidéo lorsqu'on parlera du clip. Moi, je trouve, comme je le disais, que c'était un des moves, je pense, en termes de. Tu prends la pression, le level de pression et d'attente qu'ils ont. Tu prends le level de. Contre-pied et de prise de risque qu'ils viennent de faire, je pense que ça s'est jamais vu dans le rap. Je pense qu'il n'y a jamais un mec qui a été autant attendu, qui est arrivé avec un truc où on s'attendait absolument pas à ça. Déjà, tout le monde s'attendait à ce que, au titre qu'il y a après à l'ammoniaque. Maintenant, est-ce que vous avez souvenir d'un rappeur qui était ultra attendu
Mais genre quand je parle ultra attendu, genre me citez pas vos rappeurs ultra attendus, genre superstar qui débarque avec un titre, son premier de retour vraiment, parce que là voilà c'est bon, là c'est pour l'album, c'est le single officiel, on sait qu'il y aura pas de délai comme à l'ammoniaque et tout, et qui arrive avec un contre-pied et une prise de risque aussi grosse. Moi j'en ai pas de souvenir. Et du coup je sais pas. Parce que. Est-ce que même c'est comparable ces deux rappeurs-là? Est-ce que ils sont comparables avec quelconque artiste? Moi je pense que pour moi c'est des ovnis, tu vois. Mmh. On est même plus dans le rap. Non, hein, dans la musique. La musique française. C'est du jamais vu ce qu'on a à faire là. C'est phénoménal. Genre, j'avais dit dans la vidéo PNL, le retour de PNL cette semaine, j'ai dit qu'il faut vivre l'instant présent. Là, on a un truc de malade. Ouais. Là, vous vous rendez pas compte. Il nous offre tellement. Pourtant, il nous doit rien du tout. Hein. Et là, ils sont là à faire des clips en haut de la Tour Eiffel, des images. Du coup, mais c'est quoi cette réal encore? C'est quoi cette réalisation de ces chefs-d'œuvresque? La vie de ma mère, gros, j'ai jamais vu ça, gros. C'est quoi ça? Ils ont mélangé en plus les battes avec la Tour Eiffel, les Yankees et tout. Et puis, franchement, le plan où, genre, il y a la pluie, frère, ils sont là, genre, les cheveux lâchés et tout, c'est trop beau, gros. On dirait que t'es amoureux. Mais gros, mais c'est pas les cheveux lâchés. Non, mais gros, je vais me laisser pousser les cheveux comme eux, gros. Non, la vérité, gros, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est un bordel, c'est monstrueux, gros. Je pense que eux-mêmes ne se rendent pas compte à quel point ils sont trop forts, en fait. Et je parle aussi de la réalisation, tu vois, les mecs derrière le clip et tout, c'est phénoménal. On va drop les names, hein. On va drop les names. La directeur de photographie, Quentin Demarzel. Chef décorateur, Jean Miel. Directeur de production, Ophélie Stavropoulos. Premier assistant, Driss Lombroso. Post-prod, Micros. Drone, Thierry Masson et Timothée Talandier. Et la réalisation, c'est QLF. C'est voilà. Sinon, pour en revenir au son, j'ai évidemment adoré. C'est vrai que c'est foudroyant comme morceau parce que, comme t'as dit, il y a un contre-pied. Mais il y a un contre-pied avec un certain dosage qui nous permet de garder cet esprit PNL. On est sur un kickage flagrant, mais on est sur un kickage quand même. Ademo, grosse performance au premier couplet. Vraiment, il arrache tout. Et puis ce refrain... Dont il a le secret à chaque fois, quoi. C'est juste trop fort, en fait, les cadences qu'il met dans le refrain. C'est-à-dire qu'il met du rythme sur du rythme. Et ça donne un morceau foudroyant. Si je peux qualifier le morceau, c'est foudroyant, tu vois. Et en plus, je crois, il y a des éclairs à un moment, comme quand ils sont au-dessus de la Tour Eiffel avec les cheveux lâchés, là. Gros, c'est exceptionnel, ce plan, gros. Genre pour moi c'est au-dessus de ce qu'ils avaient fait avec le radeau là, tu sais, où il était, où NOS il était dessus, tu vois. Ils ont fait un plus beau clip que l'ammoniaque. Ouais, clairement, bah pour moi oui, c'est clairement au-dessus. Mais comment c'était possible de faire un plus beau clip? C'est simple. NOS derrière qui enchaîne sur son couplet, pareil, très en forme, très affûté, j'ai un peu reconnu des mélodies qu'il a eues sur 91, tu vois, à un moment il me fait penser un peu à ce qu'il a fait sur 91. Ce délire un peu jump là, il jump vraiment sur la prod. Et après, t'as ces distorsions de voix qui sont juste fabuleuses, quoi. Genre maintenant, frère, en fait, on est au-delà de ce qui se fait dans le rap, quoi. Genre, même en termes d'ingénierie, j'ai jamais entendu un truc pareil, frère. Et dans la légende, pour moi, on était un cran au-dessus, en dessous, tu vois. Mmh. Là, j'ai l'impression que depuis À l'ammoniaque, 91 et maintenant ODD, il y a encore un step up en termes d'ingénierie, en fait. C'est ça qui me fait péter les plombs. Toute l'équipe QLF s'est améliorée dans tout, dans leurs différents domaines, en fait. C'est ouf parce qu'on pensait que dans la légende, ils avaient atteint le sommet et en fait, le sommet, il vient d'être passé. Là. En fait, ils avaient atteint le sommet dans la légende, mais ensuite, ils ont créé eux-mêmes leur propre sommet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Là, maintenant, ils explorent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus, ils essayent de voir où est la limite.
Et pour moi, c'est ça, tu vois. Et puis ce riff de guitare, mais c'est... Ah bah tiens, bah, Ademo, dans son premier couplet, bat les couilles de l'Himalaya, bat les couilles, je vise plus sommet. C'est-à-dire en dehors de la Terre, parce que l'Himalaya, c'est le point le plus haut, tu vois. Il vise plus haut que le point le plus haut sur la planète, tu vois. Et puis, je sais pas, gros, c'est trop, frère. Je crois qu'en plus, après, peut-être que je me trompe, mais à un moment, un des deux, il porte une veste avec le logo Off-White et il y a le cœur de PNL. Donc ça veut dire qu'ils auraient une collab avec Off-White. Rien que pour le clip, genre. Bon, en fait, vous vous rendez pas compte, en fait, à quel point, genre, la culture, elle est ancrée, là. Genre là, c'est ancré vraiment dans... C'est-à-dire PNL est ancré dans la culture à mort, tu vois. Et quand il y a la marque la plus hype actuellement qui fait ce genre de move avec PNL, tu vois, c'est... Vas-y, gros, ils peuvent rien leur arriver, tu vois. Genre, c'est abusé, c'est... Et du coup, qu'est-ce que tu retires de cette fin de couplet de NES? C'est peut-être mon dernier album, peut-être ma dernière puta, peut-être mon dernier sourire de toi dans mon gars, pas plus de haine que d'amour, que je large entre mes tours. Moins d'humain après minuit, je sors casser mon tour sur un nuage de l'enfer. Viens, on se casse, mon frère, avant qu'on se perde. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que on est clairement sur la fin. C'est-à-dire que déjà, dans la légende, jusqu'au dernier gramme avait un bout de fin. On se disait, mais il laissait le mystère planer. Là, on sent vraiment qu'ils sont décidés à faire une dernière fois ce qu'ils aiment faire, et après ils s'en vont. Et tu vois, le titre Deux Frères comme album, c'est tellement simple, mais au final, c'est, pour moi, c'est le point final. Je pense que c'est le parce plus que, regarde, créatif. Parce que t'as QLF, donc que la famille, qui est du coup, voilà, famille. Après, t'as le monde Chico. Ensuite, t'as dans la légende. Et au final, ça revient à la base. Tu vois, c'est les deux frères. Les deux frères. C'est ce qui est représentatif de tout ce qu'on connaît d'eux. Ils sont tous de la pochette, les deux dessus, dans la légende. Parce qu'au final, il n'y a que eux, tu vois. Genre, même s'il y a une équipe derrière, frère. Ce qu'on voit. Les gens se rappelleront ces mecs-là, en fait. C'est pas forcément des mecs à la réal, des producteurs, c'est eux, tu vois. Et je pense que ils endossent vraiment ce qu'ils représentent. C'est-à-dire que là, vraiment, ils endossent vraiment, tu vois, ce statut de légende, en fait, tu vois. Ça va être ouf. Ça va être ouf parce que je m'attends à un album archi-personnel, en fait. Quand t'as un titre comme Deux Frères, tu vois, ça va être archi-personnel. Et on avait vu NOS qui avait publié une photo de leur daron, sur Insta. Pour moi, c'est indicatif de ouf. Ça veut dire qu'ils vont se livrer à mort sur l'album. Ouais, ils se livrent. Plus que sur les trois autres, en fait. Et du coup, vu qu'ils se livrent à mort, après, ils ont plus rien à dire et c'est clap de fin. Exactement. Je pense que ça va. On est sur, sur leur dernier album. Et du coup, c'est quoi? C'est deux CD? C'est. Bah, en fait. Ça allait trop vite. C'est comme dans la légende. Il y a deux versions. Il y a un titre en plus dans chaque. Mais c'est Capuche, le. Il y en a un, c'est Capuche. Un, c'est Frontières, ouais. Et ODD, du coup, détail, et deuxième degré, parce que ODD, DDDD, deuxième degré de quoi? La franc-maçonnerie, c'est pas beaucoup, hein, deuxième degré. Hein. Je tape deuxième degré, qu'est-ce que je trouve? Équation du second degré, attention, avec X-2. Ah oui, avec deux inconnus, effectivement. Deux inconnus, deux frères. Tu vois, on peut partir sur plein de choses. Quoi, comme tu disais, ouais, pareil, là, ça m'a foudroyé. Ouais, c'est... Je m'attendais tout, sauf un truc comme ça. Après, si c'est comme ce que t'as dit juste avant, genre ce serait un truc où il se livre plus, ça serait vachement intéressant. De ouf. Projet. Parce que finalement, c'est ce qui manque, c'est à leurs fans d'avoir vraiment des... D'où est-ce qu'ils viennent? Ce que les journalistes veulent savoir, d'où est-ce que vous venez? Genre, c'est quoi votre histoire? Parce qu'il peut pas être... Entrer trop en détail là-dessus, ils vont se révéler. Je pense qu'ils vont se révéler, ouais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup de zones d'ombre. Exactement. Et puis ils n'ont jamais vraiment parlé de leur vie. Ah, ils ont laissé des indices, oui, ils ont laissé dans des les tracks, mais... Là, on va entendre leur histoire. Je pense histoire. Que là, ça va être vraiment... leur histoire. Ouais. Vraiment, ça va vraiment leur... Leur père, ils sont en contact avec lui encore? Bien sûr, je sais pas. Gros, imagine un skit de leur père. Où genre on l'entend parler à la fin d'un son sur le dernier titre. Mes deux fils, je suis fier de vous. Après le truc, c'est... après, le truc, tu vois, c'est que
Il y a aussi quelque chose qui est propre à PNL, c'est le côté mystérieux qui fait tant fantasmer les gens, tu vois. Et je pense que ce truc-là, si tu l'enlèves dès le début, le succès est pas à ce niveau-là. Ouais. Et en fait, je sais pas si du coup les auditeurs sont prêts à avoir un album personnel de leur part. Parce que ils aiment en fait cultiver ce mystère-là, tu vois. Ils aiment quand t'as des mots qui serpentent dans ce qu'il dit. Oui. Tu vois, ils aiment quand NOS il est dans le côté un peu évasif. Et tu vois, je pense qu'un album trop personnel, ça, franchement, ça peut bloquer un auditeur, tu vois. Surtout PNL. Non. Parce que au final, quand toi, après, t'auras eu l'album, tu te remets, du coup, je sais pas, QLF, Le Monde Chico, tu te dis, ah, c'est pour ça qu'il a dit ça. Non, mais du coup, ça donne une nouvelle lecture aux albums. C'est ça. Moi, je pense que ils le font, s'ils le font, c'est une bonne idée si c'est vraiment leur dernier album, en fait. Ouais, exactement. C'est qu'après, faut pas faire d'autres trucs après parce que ils pourront. Il y aura toujours une fanbase et tout, mais ça sera plus jamais l'engouement qu'il y a eu à partir du moment où ils se sont livrés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'ils le font, c'est vraiment pour un vrai clap de fin, en fait. Mais pour justifier la justification du fait que voilà, on change, on est plus mystérieux, c'est parce que c'est notre dernier album, tu vois. Et du coup, vu qu'on part. On vous dit, on vous dit toute la vérité, etc. On dit tout. Ouais, mais du coup, ça revient à ce que j'ai posé. C'est est-ce que l'album va pas, au final, buter certains. En gros, ça va bloquer certaines personnes dans l'écoute, tu vois, parce que comme j'ai dit, les gens sont attachés à ce côté mystérieux. Ouais, mais c'est le quatrième album quand même. Je pense que justement c'est un côté à développer parce que ça fait déjà 3 albums que t'es grave mystérieux, tu vois. Et qu'au bout d'un moment, les gens, peut-être que si tu veux, au niveau de leur plume, vont être accueillants d'avoir des choses plus intimes et plus personnelles parce qu'au moins ils vont se dire ah ouais, c'est différent de ce qu'ils ont proposé avant, étant musical et tant aussi lyrical. Tu vois, il y aurait. Entre guillemets, une coupure entre ce qu'ils ont fait avant au niveau de la plume sur le derrière, sur le celui-là, quoi. Mais surtout, moi, j'en fais confiance à ce niveau-là. Je pense qu'ils savent quand même raconter en termes que ce soit visuellement ou même musicalement. Après, ça se trouve, c'est gros. Ils vont raconter des choses, mais de manière très imagée, tu vois. Moi, j'aimerais pas qu'ils développent trop non plus. Tu veux garder l'aspect mystère? Ouais, moi, je veux l'appeler parce que c'est ça qui me fait kiffer. Gros. Je suis totalement d'accord avec toi, mais moi, après, c'est par rapport à ma sensibilité à moi. J'aime bien quand, genre, me mettre en mode, ouais, le mystère, genre, vous me faites voyager avec vos secrets et tout. Mais j'ai besoin qu'à un moment, le voile tombe, en fait. Leur plus beau clip? Leur plus beau clip? Easy. Ouais, je l'ai vu qu'une fois, mais de ce que j'ai vu, c'est abusé, frère, la réalisation et tout. C'est, en fait, ça fait mini-film, quoi. Mais tu sais, genre, c'est des images de film, en fait. C'est pas des images de clip, tu vois. C'est... Ouais. Je trouve qu'il y a encore un step-up là, à ce niveau-là, encore une fois, tu vois. J'ai parlé du plan avec la pluie qui tombe et tout. Sur la tour Eiffel, enfin, ça fait quand même... Ouais, tu vois ça au cinéma, quoi. Tu vois pas ça sur YouTube, tu vois. Donc, ouais, pour moi, on est sur un de leurs plus beaux clips, voire le plus beau. Mais ouais, c'est ouf parce que ça te donne trop envie d'écouter la suite, quoi. C'est le 5 avril, gros. Non, mais je suis sûr, il y a des gens qui vont pas kiffer. Oui, ah oui. Ah, je pense que ça va être un son qui va quand même. Mais en fait, vu que. Scinder. En fait, le truc, c'est que musicalement, je pense que ça va scinder les gens. Mais par contre, vu qu'il y a le clip, ça. En fait, ça t'oblige à kiffer, limite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que gros, ils sont quand même au haut de la tour Eiffel, tu vois. Genre, je veux bien que tu hates, mais frère, regarde le clip avec, tu te le prends, le truc. À part si, je sais pas, t'as zéro sentiment, t'as zéro émotion, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que t'es un lézard, genre, tu ressens rien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que là, on est gros. Oui, tu peux au moins dire que tu aimes ou non, gros, le clip, quand tu regardes avec la... Tu n'as ni aimé le clip, ni le son. Genre même ouais, c'est que une merde, frère. C'est que vas-y, mets fin à tes jours, gros. Tu seras rien sur cette terre. Ouais, non, mais gros. Mais gros, si t'aimes pas le clip, c'est quoi? Il te faut quoi de plus, tu vois? Le monde est vaste. Non, mais je suis désolé. Mais alors,
C'est quoi les reproches que tu peux avoir sur ce clip? Non, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas des reproches objectifs, mais peut-être il y a des gens, c'est pas leur style, il y a des gens, ils aiment les trucs ultra street, ils aiment pas que ça soit épuré comme ça. Ah ouais, non mais ça, je veux bien, après, par rapport au côté street, ouais, ils auraient dû faire un truc en bas des blocs, mais à un moment donné, il faut évoluer, tu vois. Non mais peut-être il y a des gens, ils aiment pas tout ce qui est épuré, tout ce qui est lumineux, tu vois, tout ce qui est comme ça. Ah ouais? Ah, il y a des gens, ils aiment pas l'épuration, gros. Ah ouais? Bah oui, mec. Il y a des gens, ils aiment les trucs raw. Ouais, mais ok, bon, moi j'aime bien les trucs raw, mais là franchement c'est beau de ouf. Ouais, quoi. Mais il y a des gens, ils aiment que les trucs raw, tu vois. Genre, il y a des gens, les trucs épurés, les trucs vraiment travaillés, ça ne les touche pas. Ils aiment les choses brutes, telles quelles, tu vois. Par contre, t'as vu, à un moment il rigole, il sourit, à un moment il chamaille dans l'eau et tout, on dirait Rocky, Apollo Creed. Dans l'eau sous la pluie. Ah oui, ok, excusez. Non. Voilà. Comme Rocky. Ouais, et Apollo. Ils se prennent dans les bras, alors. Mais gros, c'est la fin. Moi, c'est ça, c'est de l'émotion. Là, ça me parle. Oui, mais il y a des gens. On était en concert, ils sont pris dans les bras, j'étais là, genre. C'est beau, frère, c'est la fraternité, tu vois. Mais il y en a, ça leur parle pas, la fraternité. Mais parce que c'est des fils uniques. C'est tout. Ou alors, ils ont trop de ref, ils en ont marre, gros. D'autres choses à ajouter? Ouais, je voulais. Ouais, en fait, après, franchement, là, c'est un petit peu gros ce que je vais dire, mais en gros, j'ai eu les mêmes sensations quand j'ai vu Fight Club, gros. Voilà. C'est pas, à un moment donné, je sais pas si vous avez vu le mec qui est dans l'ascenseur, là. Non, il a pas vu. Fight Club, bien sûr que je l'ai vu. Ouais, quand même, frère. Vas-y, sors de chez moi. Non, non, allez, sors. Ah ouais, sors de chez moi. Allez, c'est t'expose, t'as vu. Sors de chez moi. Pour prouver que j'ai vu Fight Club, je vais spoiler les gens bêtement, ceux qui l'ont pas vu, tu vois. Non. Non mais en fait tu vois c'est ce côté c'est ce côté un peu au niveau des lumières, ça m'a fait penser à Fight Club. Il y a quelque chose de sombre mais avec beaucoup de lumière, tu vois. C'est très contrasté en fait, Fight Club, dans la réalisation. Ça fait penser aussi à des animés, hein. C'est bon. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, dites-nous vous ce que vous avez pensé de ce nouveau titre de PNL ODD. Dites-nous ce que vous avez pensé du titre. Alors aimé, pas aimé, surpris, pas surpris, content, pas content. Le clip, où est-ce que vous le placez dans les plus beaux clips de PNL? Dites-nous ce que vous attendez de l'album, hein, qui arrive le 5 avril maintenant. On a beaucoup d'indices, Alammoniaque, 91, celui-là, voilà. Dites-nous ce que vous pensez que ça va être. Ah, d'ailleurs, on va faire un classement, là. Classement des titres sortis pour l'album, dont 91, hein. Ah putain, tu veux le faire sur la première écoute là tout d'un coup? En balle. Tariq. Putain, ah ouais, non mais je pensais que vous étiez ready, mais pas du tout. Mais pas du tout, mais gros, c'est normal. On vient de l'écouter. La première écoute. La première écoute, vous vous rappelez quand même? Non, la première écoute qui m'avait le plus enjaillé, c'était 91, tu vois, parce que c'était un son que j'attendais, le côté rétro. En fait, il avait teasé. Ouais, moi aussi. Mais après, tu vois, genre sur la première écoute, 91, mais finalement, je préfère Alammoniaque, tu vois. Ah ouais? Ah oui, je préfère Alammoniaque. Mais comme je le disais, 91, c'est un son. Tu vas te dire tout d'un coup, tu sais, je vais m'écouter 91, c'est pas de problème. Alammoniaque, pour moi, c'est vraiment un son de contexte. Il faudrait que tu sois dans un certain contexte pour te balancer Alammoniaque. Je préfère Alammoniaque, mais je me mets plus 91 pour toi. D'accord. Donc tu préfères Alamo, 91 et ODD, et ODD, je pense que je vais le mettre premier d'ici 2 heures, 3 heures. Et à la première écoute là? À la première écoute, putain. Alors à la première écoute, je mets 91, ODD, Alammoniaque. Ah ouais? Ouais. Alors qu'Alammoniaque t'étais ensemble. Ouais, mais celui-là, gros, c'est incroyable. Ah ouais. Genre j'adore la prise de risque. Moi ce serait du coup pour l'instant en première écoute ODD, Alammoniaque et 91 après. Ouais. Moi je mets Alammoniaque. Toi tu m'as demandé, je posais la question, j'étais. Non mais Alammoniaque. En vrai, Alammoniaque, moi c'était trop. Chose, après je mets ODD et 91. Mais 91 c'est trop le replay value. Mais là du coup je trouve que ça fait vraiment transition entre Alammoniaque et 91. Vous captez? ODD vous le mettez entre Alammoniaque et 91. Gros, il y a une transition de ouf. N'oubliez pas de vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont Amine Hugo 1 sur Twitter, Snapchat, Facebook et maintenant Instagram, et de vous rendre sur le site écran-shop.fr. Alors en ce moment il y a une promo de moins 50% sur tous les produits. Ça y est, -50%. On ferme. Donc moi j'ai envie de vous dire, je suis chaud que les personnes qui vont acheter le CD se achètent le t-shirt pour la culture et se prennent en photo avec le CD de frère et le t-shirt pour la culture. Ah ouais.
ou GOAT, puisque ce sont des GOAT. Voilà, vous choisissez, ou vous prenez les deux sont à moins 50%, j'ai envie de dire. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Peace.